La création artistique ne saurait être confinée alors que plusieurs secteurs d'activité sont paralysés. Du 25 avril au 23 mai 2020, Douala devient le lieu de l'exposition virtuelle Artuel Interférence. 70 œuvres de 12 jeunes artistes plasticiennes, photographes, cinéastes ou encore poétesses seront exposées. Artuel Interférence se veut une plateforme de mise en valeur de la créativité féminine en Afrique francophone. Nous avons voulu composer une mosaïque de différents styles, médiums, thèmes et techniques pour montrer la diversité de la nouvelle créativité féminine. Mais il était aussi important pour nous d'ouvrir la nouvelle décennie. La nouvelle décennie avait de nouveaux visages de femmes artistes pour la continuité, parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a connu des femmes artistes qui sont toujours sur le marché de l'art, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux visages, comme on appelle les nouvelles lionnes. En ces temps modernes, nous souhaitons continuer à partager nos passions. Voilà présenté le projet à trois volets de l'exposition Artuel Interférence. Une pensée qui se rend visible depuis le logo de l'événement qui présente une dame portant un masque de protection contre le coronavirus. Le Covid-19 nous oblige à nous adapter aux nouvelles conditions sociales induites par la réglementation sanitaire, mais permet aussi de continuer à vivre et à faire vivre la passion de l'art tout en étant confiné. Et le format virtuel permet d'amplifier quelque part, d'aller à l'essentiel et de toucher des personnes qui n'auraient pas manifesté d'intérêt forcément pour ce type d'exposition. Mais c'est aussi un manifeste pour que vive l'art, pour que l'art continue à vivre. L'art essaie de survivre à la pandémie de Covid-19. Partout dans le monde, les expositions, les salons et autres événements culturels et artistiques physiques sont à l'arrêt pour une durée indéterminée. La diffusion de leurs œuvres sur les réseaux sociaux est devenue une véritable alternative pour les artistes.